J'étais en train de courir en campagne toute la journée. Hein. Je viens juste de rentrer. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo. Il y a un jeune garçon, peut-être de 15 ans, 16 ans, qui m'insultait à cause du général Ibrahim Abaldé, Kanté, insultait ma mère, insultait mes soeurs, insultait mes tantes, insultait tout le monde. Les injures ne m'ont pas fait mal, hein, comme je vous ai dit. Mais c'est pour dire toutes les personnes qui sont là, qui voient, qui peuvent envoyer cette vidéo à général Ibrahim Abaldé, Kanté. Les injures que le petit là, un petit qu'on a drogué, qui ne sait même pas de quelle famille je viens, de quel village je viens, de quel pays j'habite. Il m'a insulté. J'ai ri quand j'ai écouté. La première fois que j'écoute une vidéo là, parce que j'avais pitié du petit, on voyait le monsieur qui était arrêté derrière lui, qui lui disait ce qu'il faut dire. L'injure de ma maman là, qui est décédée depuis 14 ans, général Kanté Baldé, au commandant de la gendarmerie nationale. Ce n'est pas ma mère qu'on a insultée. C'est ta maman, Diwo Keta, qui est décédée, enterrée à Zérékouré. C'est celle-là qu'on a insultée. Les injures qu'on a faites sur moi, c'est toutes tes soeurs, commençant par tes cousines, tes sœurs de lait, tes nièces, toute une femme qui est dans ta vie. Ce sont eux qu'ils ont insulté, pas moi. Mes frères qu'ils ont insulté, c'est pas moi qu'on a insulté, c'est tous tes grands frères, tous tes oncles, tous tes grands-pères. Toi, général Ibrahim Kanté Baldé, moi, je suis pas forgeron. Je connais d'où je viens. Le combat de la Guinée, là, on ira jusqu'au bout. Je ne baisserai pas même. Mes mains, je n'arrêterai pas. Les injures ne vont pas me faire arrêter. Paye qui tu veux. Drogue qui tu veux. Paye qui tu veux. Drogue qui tu veux. Et ce que j'ai dit, je ne le retire pas. La Guinée nous appartient tous, Guinéens. On est tous nés là-bas. On a nos parents là-bas. On a nos familles. On a nos ancêtres là-bas. Et ce que j'ai dit, je ne retiens, je ne recule de rien. Toutes les injures là, ça m'a pas fait mal, j'ai ri parce que on était là, on discutait, on parlait, ta. Et quand on m'a envoyé la vidéo, la personne pense, moi je n'insulte pas, mon papa et ma maman ne m'ont pas mis au monde pour insulter les gens. Je te combats comme on doit combattre. Mais je vais te dire une chose, on ne fait qu'enfoncer ta famille aux États-Unis. Le petit qui a insulté aujourd'hui, je ne sais pas si c'était sur quel site. Même ta troisième fille, tes enfants que tu as reconnus en fait, parce que tu as plus de 20 enfants à Conakry, de mères différentes que tu ne reconnais pas. Tu te bagarres même avec les mamans des filles là, dans ton bureau. Des fois, c'est les gendarmes qui viennent casser la porte pour qu'on te fasse sortir. Moi, je ne suis pas éduqué comme toi, général Baldé. Je connais qui est mon père, je connais qui est ma mère. Je connais d'où je viens. Continue à payer les gens, continue à tuer les gens, continue à faire tout. Je t'ai dit, je ne demande à personne, toutes les personnes qui m'ont appelé aujourd'hui, qui ont dit qu'ils vont payer pour moi, pardon, je vous en prie, n'insultez personne à cause de moi sur Facebook. Je vous en prie, n'insultez personne, ne répondez à personne. Notre combat n'est pas là pour faire des injures. Notre combat, c'est d'enlever la Guinée dans les mains de ces démons qui nous gère, dans les mains de ces démons qui nous gèrent. Les injures que le petit a fait aujourd'hui, moi, ce n'est pas ma mère, il a insulté. C'est la maman du général Ibrahim Baldé, Kanté, de la gendarmerie, Diwo Keta. C'est celle-là qu'on a insulté. Et toute ta lignée, j'ai dit, toute ta lignée, qu'on a insulté. J'ai des soeurs, j'ai des petites soeurs, j'ai des nièces. Tant qu'ils laissent nous répondre, non. Non. Ils ne vont pas répondre à ma place. Personne ne va répondre à ma place. Je t'ai dit,
Pardon, arrêtez d'appeler mon téléphone. Je suis sur live. Arrêtez de m'appeler sur le téléphone, s'il vous plaît. La personne qui veut me parler n'a qu'à attendre. Je n'ai que 15 minutes. Oui, Mignan, Erika Korka, je sais que tu as venu. Il n'y a rien dedans. Oh, ça ne va pas nous empêcher, non? Nous, notre combat là, c'est jusqu'à la vérité. Jusqu'à qu'on libère la Guinée des mains des démons. Regardez maintenant pour vous dire la preuve. L'enfant qu'on a drogué pour insulter des gens. Où va la Guinée? La Guinée est dirigée par ces gens-là. Par un général, donc dans les conditions normales, un général du haut commandement de la gendarmerie qui doivent censé arrêter ça. Parce qu'on a dit la vérité, que tu ne devais pas arrêter Souleymane Kondé, tu ne devais pas arrêter les gens. Toutes les conneries qui se passent en Guinée, tu es derrière et devant et au milieu. Le petit qui a insulté aujourd'hui, je prie le bon Dieu qui t'enlève dans les mains de ces démons qui t'entraînent à insulter les gens. Si j'avais fait un enfant, peut-être elle allait avoir ton âge. J'implore tes parents. Parce qu'on voyait que tu étais sous. On t'a drogué. Tu n'étais pas de toi-même. Tu n'étais pas de toi-même. Injure-là. Comme je répète encore, toutes les injures qu'ils vont faire sur moi, sur Facebook, sur n'importe où, sur téléphone, ta secrétaire qui était commissionnée, d'appeler le petit bas, d'aller voir Paul bas, Pierre bas, left and right. C'est toi, ta maman qu'on a insulté, général Ibrahim Abaldi. Ta maman Diou Keita. Diou Keita. Oui, c'est celle-là qu'on a insulté, pas moi. Tu as compris? Tu as compris? Mon père qu'on a insulté là, c'est ton père Djulde, maman de Djulde, Tante, qu'on a insulté. Pas moi. Moi, je t'ai dit, tu veux la guerre, on ira faire la guerre. Tu veux la paix, on fera la paix. J'ai pas peur. Et tu as dit que le jour où je serai en Guinée, qu'ils vont m'abattre, comme tu ne pourras pas m'arrêter. Je vais partir en Guinée, je suis guinéenne. Je suis guinéenne. Je rentrerai en Guinée. Moi, Aïssatou Biro, Diallo. Oui, le petit ne sait même pas là où j'habite, là où je vis. Et tant qu'il dit qu'il est, je suis de Pita, que même si je suis de Pita, on va m'insulter. C'est comme ça que vous englobez, aider la jeunesse, les donner la drogue, les demander d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Moi, je n'insulte pas, quel que soit le problème, quelle que soit ma nervosité, jamais je n'insulterai sur les réseaux sociaux. Mais quand on m'insulte pour quelqu'un, que ce soit homme ou femme, que ce soit à qui, je viens, je te rembourse le plat. Le reste du plat, quoi, la monnaie, je te donne. C'est ainsi dit, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Paikunkun, général Ibrahima Balde. Nilikun Hangi, général Ibrahima Kante Balde. Mounili oyeni la mingande kate Facebook. Nami oyeni, ko nene mako oyeni, nene mako diwoketa. Diwoketa ko, général Balde yeni. Général Balde, j'ai ta vidéo. Tu me connais? Tu peux pas dire que tu ne me connais pas. Et les mensonges que tu es en train de dire aux gens. Que toi, tu as payé mes études aux États-Unis. Toi, tu peux payer mes études aux États-Unis. Quelle étude? Quelle étude tu peux payer pour moi aux États-Unis? Moi, je suis venu aux États-Unis. Tu n'étais même pas à Conakry. Tu n'étais même pas à la gendarmerie ou quoi. Ou bien tu étais en formation. Tu m'as vu, j'avais mes deux diplômes. En poche. J'étais fonctionnaire aux États-Unis. Tu racontes que toi, tu as payé mes études. Toi, tu m'envoies de l'argent aux États-Unis. Pardon, fais sortir les factures, les gens vont voir. Monsieur, 5 millions. Parce que c'est ça que tu donnes aux filles. Les filles qui se sont bagarrées contre toi, là. La dernière fois, à l'hôtel Noon. La chambre 46. Qu'on t'a interdit d'aller là-bas. Général Ibrahima Balde. Ibrahima Balde, Kanté Balde. C'est Kanté Balde. C'est Balde Balde. Moi, et cette vidéo, I don't know.
Je ne connais pas. Hein. Mais les jeunes juifs qu'ils ont fait là, comme ils ont utilisé, si on n'avait pas dit mon nom, ils n'avaient pas répondu. Mais c'est ta maman. Ta maman dit au Kanté là, ka Kanté, ka Keta, ka whatever. Les forgerons là. Parce que tu sais que tu es forgeron. Tu es forgeron toi. Tu sais, je t'avais dit un jour, quand tu m'as dit que tu as essayé de faire divorcer mon frère et sa femme, que tu as séparé tout le monde avec mon frère, que c'est sa femme que tu n'as pas pu. J'ai dit, Général Baldé, je t'ai dit. J'ai dit, réfléchis à qui tu parles. Moi, quand on touche ma famille là, hein, de près ou de loin, ça prendra le temps que ça va prendre. Je vengerai ma famille. Ah oui. Tu pensais que tu étais malin. Tu pensais que tu peux faire tout. Après, tu t'assois, tu lis dans ton salon. Et puis, ton plaid là, ton pied qui est en train de saigner là, tu as tout le temps ton médecin forestier là derrière toi. Pourquoi tu ne vas pas, on va couper pour que tu restes tranquille? Pourquoi? La sœur Fatou, comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien, Dja? Je vais t'appeler quand je vais finir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce qu'il y a pas trop de trucs. Souleymane se porte bien. J'ai eu de ses nouvelles. Demain, on devait, dans les conditions normales, ils vont aller au tribunal pour voir ce que le juge d'instruction va décider. Et puis, il va être libéré. Vous n'allez pas arrêter les Guinéens et les garder et les dire. Non, je ne balancerai pas sa vidéo sur Facebook comme Nyan, Amadou Kaori ou Bari. Non, c'est pas la peine, ne les insultez pas. Pardon, je vous prie de ne pas les insulter. Ne répondez pas. Ne tombez pas plus bas qu'eux. Tu sais, la femme de Obama a dit, quand elle demande aux gens, when they go low, go high, quand ils vont en bas, toi tu montes. C'est pas parce que tu ne dois pas répondre, mais tu dois répondre avec classe. Avec classe. C'est pas moi, on a insulté. Hein. C'est la maman du général Keta Kanté Baldé. Qu'on a changé le nom là. On a donné au grand-père de Baldé de Tougué là. Parce que c'est des forgerons. Donc j'ai répété. Le petit m'a menacé que si je viens parler le nom de Baldé, Kanté Baldé, whatever, 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 sur Facebook. Donc, tant que vous n'allez pas vous fatiguer là, moi, le jour où je vais prendre mon argent, que je travaille comme ça, pour manger, donner à quelqu'un, d'insulter quelqu'un, que Dieu me reprend ce jour-là. Mon argent, je vais donner aux pauvres. Pour manger, je ne paye personne. Tu m'attaques, je viens, je t'attaque. Tu veux qu'on travaille ensemble, on vient, on travaille ensemble. Tu veux qu'on monte ensemble, on monte ensemble. Tu veux qu'on descende ensemble, on descend. Mais dans la vérité, pas dans le mensonge. Pardon, personne, je vous demande, c'est pour cela que j'ai fait la vidéo là. Parce que je sais que si je n'avais pas fait la vidéo, les gens allaient venir insulter. Mais ce n'est pas moi que général, on a insulté. Hein. Ma maman qui est décédée là. Ce n'est pas elle qu'on a insulté. Hein. Tu as fait arrêter son fils. On t'a fait rentrer dans la gendarmerie par Manou Sissé pour être espion derrière mon frère. Et jusqu'à présent, c'est ça que tu es en train de faire. Tu as réussi à faire que ma maman ait l'attention, elle est décédée. Mais tu ne vas pas recevoir. C'est moi qui vais t'amener. Et ta famille là, dis-toi que leur dossier est ouvert. Ils sont en train de les investiguer. Ils vont les investiguer. Ils vont les faire rentrer. Toutes les femmes qu'on a insultées dans ma famille là, c'était soeur, grande soeur, petite soeur, cousine, femme. Tes filles que tu as reconnues là, celles que les enfants que tu n'as pas reconnus, je ne vais pas parler d'eux. Parce que c'est pas eux-mêmes, ils sont victimes de toi. Tu as compris, Ibrahim? Hein? Kanté Baldé, tu as compris ça? Ça soit la dernière fois que tu envoies quelqu'un pour m'insulter. Tu as compris? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé d'après la vidéo de la dernière fois. Pardon, pardon, j'ai dit ok, je vais laisser. Mais j'ai compris que toi, tu es le vrai forgeron. Quand tu étais au pouvoir, ta maman était sous. Quand Dadis est venu au pouvoir, ta maman est devenue forestière. Comme Alpha est au pouvoir, ta maman est devenue Kanté.
Tu penses que tu peux continuer à faire du mal et que les gens ne répondent pas? Are you kidding me? Are you kidding me? Tu as dit que tu vas m'abattre quand je vais venir en Guinée. Toutes les personnes à qui tu as parlé m'ont appelé, m'ont dit. Tu as les marabouts partout. Moi, t'es marabout là. T'es marabout là. Quand tu vas, c'est ton marabout, tu t'assois, tu dis mon nom seulement. C'est ta bouche qui va s'enfler. Après ton pied, le reste de ton pied là, ils vont couper l'autre. Va couper, tu sais que tu es diabétique. Tu as la petite bille. Tu as toutes les maladies du monde qui sont sur toi là-bas, tu le sais. Arrête de m'insulter. Oh. Va te soigner. Ou bien tu demandes ce que j'ai dit, que ta famille ne vit pas aux États-Unis. Ce n'est pas toi qui as mis les militaires après le coup d'État raté contre. Le coup d'État contre la tentative d'assassinat contre Dadis, que tu ne faisais pas partie du clan. Il faut démentir au lieu de payer quelqu'un à m'insulter. Parce que moi, je t'expose là. Je t'expose tes crimes. C'est tes crimes que j'expose. Ibrahim Kanté Baldé, haut commandant de la gendarmerie nationale, faux général. Tu n'as fait la formation qu'une seule fois. Une seule fois dans ta vie. Tu n'as pas de formation de gendarme. Salut Mia, comment vas-tu, Beta? Donc personne ne répondait, ne répondait pas. Hein. Laissez le petit là, ils vont le droguer. Eh, qui est les parents des enfants là pour aller les récupérer? Regardez un enfant, un petit. Il ne doit même pas avoir 15 ans. 15 ans qu'on drogue, qu'on fait asseoir sur le caméra et dire à la personne, il faut insulter, il faut insulter, il faut dire ceci, il faut des draps. À cause du général de la gendarmerie nationale de Guinée. Ah mon Dieu! Quel faux général! C'est pour cela les filles qui ont fait les enfants pour toi là. Elles viennent, elles t'insultent jusqu'à devant la porte chez toi là-bas. Matin, midi, soir. Des fois, on t'enferme dans la maison, c'est les gardes qui cassent la porte, on te fait sortir. Ça s'est passé il n'y a même pas longtemps. Tu connais le papa de maman de qui? Tu le sais. Mais comme tu as dit, les gens que tu as appelés gauche, droite, là, que tu vas me faire ceci, tu ne pourras rien contre moi. Moi, les gingives, là, j'ai mangé, quand je regardais la vidéo, je mangeais, j'étais au restaurant avec les personnes avec qui je travaille, je riais, quoi. Parce qu'elle se demandait qu'est-ce que j'écoute, je riais. Et j'ai eu pitié du petit. Je prie pour le petit. Je prie pour les enfants qu'on va prendre de gauche à droite dans les rues. Venir les droguer, les faire asseoir. L'argent que tu leur as donné là d'acheter la drogue, ou bien la drogue que tu as récupérée, si tu es braqueur de route là, tu fais semblant d'aller brûler. Toi-même, tu te drogues. Toi-même, Ibrahim Abalde, tu sais que tu te drogues. Tu le sais, je le sais, tu te drogues. C'est pour ça, des fois, quand on te voit, tes yeux sont rouges comme ceux que je porte là. Donc, c'est tout ce que j'étais venue vous dire. Si j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse. Je sais qu'il y a ma copine, ma soeur de tous les temps qui a toujours là pour moi. Je m'excuse, ma chérie. Tu sais que je t'aime. Depuis le Maroc, depuis la Guinée, on a fait pète-pète ensemble. On a fait tout ensemble. Mais des fois, il faut juste taper sur le pied. Donc, envoyez les vidéos et puis les deux dames. Je ne vais pas dire leur nom aujourd'hui parce que quand je dis leur nom, elles deviennent importantes. La secrétaire de la gendarmerie et sa copine de la douane. Non, Ousmane Baye Taw, yen nous m'a fait. Tayotto fi Allah, Tayotto. Qui ont donné l'argent là. Qui ont allé raconter des bêtises là. Hop! Vous faites pitié. Parce que c'est Ibrahim Baldé là. Ibrahim Kanté Baldé là. Que vous fatiguez. Ibrahim Kanté Baldé là. Que vous fatiguez. Vous pensez que nous les ingénieurs vont nous arrêter de parler de la Guinée ou de travailler pour que la Guinée soit libre dans vos mains, vous les démons de la Première République, assassin Ibrahim Abalde, inconscient général Ibrahim Abalde, faux général
faux assassin. Combat-là. C'est jusqu'aux victoires. Je vais venir en Guinée. Gare à toi. Si on dit, ah, elle a fait un accident. Ou bien, on a tiré d'ici sur elle, surtout elle est morte. Tu fais ça, tu ne vas jamais oublier. Tu regretteras la vie dans toute ta vie. Malhonnête. Aujourd'hui, comme tout le monde te fuit, tu peux aller jamais insulter. Pas que yennu kulanku mi duani kema yalla bed barkema yalla ekite alla itu yennu reka hundu kama okita okara ma ganda hakil ganda nani akinti na ma berende be yarno ma de nturki mallan fatike ma joma ko non tu amari ko mi wolnama